Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez récupérer votre argent lorsque vous effectuez vos achats sur Igral. Je rappelle que Igral, c'est un site de cashback, c'est-à-dire qui vous permet de récupérer partie d'argent lorsque vous effectuez des achats en ligne. Cette vidéo s'adresse principalement aux personnes qui ont déjà un compte Igral, mais également à ceux qui ne connaissent pas du tout, qui souhaiteraient avoir plus d'informations à ce sujet. À ce propos, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique ce que c'est qu'Igral et comment c'est possible d'activer son compte. Vous pouvez y accéder en cliquant sur la barre d'information. Alors du coup, pour pouvoir récupérer votre argent sur Igral, vous devez avoir au moins 20 euros sur votre compte. Dans tous les cas, vous allez recevoir une notification, un email qui va vous dire que vous avez atteint au moins 20 euros. Dès lors, il vous suffira de cliquer sur cette notification. Après, vous avez plusieurs manières de récupérer votre argent, donc soit par PayPal, soit par virement bancaire. Par chèque cadeau, vous avez aussi la possibilité de convertir cet argent en billets de cinéma ou en repas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment ça se passe dès qu'on demande un virement bancaire. Je vais vous expliquer aussi les délais que ça peut prendre. Avec PayPal, normalement, c'est quasiment la même chose. Alors vous allez aller sur virement bancaire et à côté, vous allez cliquer sur choisir. Ensuite, vous allez atterrir sur une page où vous devrez saisir vos informations personnelles. Et juste en dessous, vous allez mettre vos informations bancaires. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir mettre votre mot de passe Igral pour pouvoir valider votre demande. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant. Et juste au-dessus du bouton, normalement, Igral vous informe de la date à laquelle vous allez recevoir votre virement. Juste après, vous allez atterrir sur une page où on va vous demander de saisir un code de sécurité qui vous sera envoyé par SMS. Une fois que c'est fait, vous allez atterrir sur une page de confirmation, donc du coup qui va vous dire que votre demande de paiement a bien été enregistrée et que vous devez juste patienter. Pour les délais, grosso modo, faut compter entre une semaine à deux semaines. Ça dépend en fait du jour où vous effectuez votre demande et de votre banque aussi. Par exemple, si vous effectuez votre demande entre un lundi et un jeudi, avant minuit, vous allez recevoir votre paiement du coup le lundi suivant et auquel il faudra ajouter 2 ou 3 jours en fonction de votre banque. Si vous effectuez votre demande du vendredi au dimanche, vous recevrez votre paiement pas le lundi suivant, mais celui d'après, auquel il faudra ajouter également 2 ou 3 jours en fonction de votre banque. Donc là, dans ce cas-là, ça met beaucoup plus de temps. Donc moi, je vous conseille vivement de faire votre demande du lundi au jeudi. Par exemple, moi, j'avais effectué ma dernière demande, c'était un dimanche, et du coup, ça a mis 10 jours, plus du coup un jour, le temps que ça soit traité par ma banque. Donc au total, ça a mis 11 jours. Et dernier truc, donc si vous faites une demande pour avoir les chèques cadeaux ou pour avoir des billets de cinéma ou pour des restaurants, donc du coup, ça met 24 heures par week-end des jours fériés, vous recevrez par mail. Pour les demandes de paiement par carte bancaire et PayPal, si vous constatez que vous ne recevez pas votre paiement sous 15 jours, ce que je vous conseille de faire, c'est de contacter le service client. Je l'ai déjà fait une fois et franchement, il est très très réactif. Voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle a été utile et qu'elle a pu aider beaucoup de personnes. Si vous avez des questions, si vous avez des informations complémentaires, j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça pourra aider un maximum de personnes. N'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça me motiverait, ça m'encouragera à faire d'autres contenus dans ce genre. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez informé dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je vous dis, allez, ciao !